commence. On va parler de gamification. On va parler de gamification en partant donc du paradigme de cette expérience que on a eu le temps d'en discuter maintenant, vous avez pu ressentir vous tous, enfin beaucoup d'entre vous en tout cas, à partir du jeu vidéo. Alors, quelle est cette expérience dans le jeu vidéo? C'est que lorsqu'on expérimente le jeu vidéo et qu'on a un jeu qui nous plaît un minimum, eh bien, on a non seulement une concentration très intense, on joue avec des mécanismes complexes sans s'en rendre compte, avec un effort en tout cas qui n'est pas du tout déplaisant, à tel point qu'on a tendance à repousser d'autres tâches, aller dormir un peu plus tard en se disant un dernier tour avant, etc. Et généralement ça se termine beaucoup plus tard que prévu. Ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres activités beaucoup plus redondantes, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit lorsqu'on doit réviser, lorsqu'on est étudiant ou pour le bac, etc. Où on est plutôt déconcentré, on a envie de faire autre chose, pourquoi pas de retourner par exemple aux jeux vidéo. Eh bien, la gamification consiste justement à essayer de retrouver un petit peu cette magie du jeu vidéo transférée à des domaines, des activités dans la réalité qui sont un peu moins palpitantes ou pas du tout même. C'est-à-dire transférer les structures du jeu vidéo dans la réalité pour transformer la réalité ou du moins pour avoir une motivation autre. Plus académiquement, c'est ce qu'on nomme ludification, c'est ce qu'on nomme aussi parfois gameful design, donc transfert de structuration et des mécaniques de jeu à des situations qui n'en sont a priori pas. Alors, je vais commencer par expliquer ce que n'est pas la gamification. La gamification, ce n'est pas du serious game. Le serious game peut se présenter comme un jeu éducatif ou un jeu qui va chercher à sensibiliser sur des questions, mais ça reste un jeu, c'est-à-dire que la réalité en soi n'est pas véritablement transformée ce n'est pas de la gamification telle qu'on va pouvoir en parler. Et autre chose encore, c'est que, et ça c'est important, la gamification est un outil. Et comme tout outil, la gamification n'est pas une bonne chose en soi ou une mauvaise chose en soi. C'est neutre et on peut faire le meilleur comme le pire. Et on verra quelques exemples là-dessus. Alors, justement, une gamification, on va rester dans le côté négatif pour commencer, ça peut consister à de l'exploitation, c'est-à-dire à une certaine forme d'exploitation sans que les gens s'en rendent compte, et ça peut passer par des applications qui peuvent paraître au premier abord tout à fait sympathiques. D'ailleurs, c'est le principe de la gamification. Le principe de la gamification, c'est d'attirer, c'est de séduire, c'est de rendre l'activité plaisante et de ne pas se rendre compte, éventuellement, quand on est dans le cadre de l'exploitationware, eh bien, qu'on est justement exploité. Alors, prenons un exemple d'une application que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Duolingo. Je ne sais pas si ça vous parle. Duolingo, c'est une application qui se présente comme une application pour apprendre une langue. Alors vous pouvez apprendre des langues comme l'anglais, l'espagnol, etc. Et c'est une interface qui a été pensée comme un jeu. C'est-à-dire, vous avez un système de scoring, de compétences, vous évoluez, vous avez des niveaux. C'est-à-dire qu'on a des structures de jeu qui ont véritablement été transférées à l'apprentissage d'une langue. Et en cela, on peut parler de gamification. Alors, en quoi c'est l'exploitationware? C'est qu'il y a un petit côté un peu vicieux. Vous commencez donc à jouer, vous améliorez votre niveau, vous avez un feedback par rapport justement à l'apprentissage, vous voyez que vous évoluez, vous avez accès à de nouvelles choses, donc le jeu petit à petit, on va dire, s'ouvre davantage avec différentes possibilités. Et puis, à un moment, lorsque vous grimpez, lorsque vous faites du level up, il y a notamment des exercices de traduction. Ce qui est tout à fait typique lorsqu'on apprend une langue, traduire des textes. Sauf que lorsque vous allez faire ces exercices de traduction, eh bien, ce que vous allez traduire, en réalité, eh bien, ce sont des commandes de Duolingo et vous avez été transformé finalement en traducteur bénévole. Et donc ce jeu n'a pas tant consisté, même si ça participe, à vous apprendre la langue, mais à vous faire travailler bénévolement pour, par la suite, faire payer les traductions. Vous ne recevez rien, bien sûr. Donc, voilà un exemple d'exploitationware. Et vous voyez que ça peut être vicieux, finalement, la gamification de ce côté-là. Et sans s'en rendre compte, on peut être pris dans des rouages où on finit par faire du travail bénévole. Heureusement, la nature même du jeu vidéo, ou du jeu en général, permet de faire barrage à ce type d'exploitation. Déjà, commençons par nous poser la question: quelles sont, en général, les mécaniques de jeu? Donc, je ne vais pas faire le tour, ça va être assez grossier ce que je vais dire là, je vais aller assez rapidement, mais
Pour qu'un jeu soit un jeu, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un objectif clair, sensé, que le joueur va pouvoir comprendre, si ce n'est progressivement, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait surtout un feedback. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour de l'action du joueur, qu'il voit les conséquences, etc., qu'il puisse s'y adapter et qu'il puisse comprendre les fonctionnements corrects et incorrects. Et il faut surtout, et c'est là le plus important, pour qu'un jeu soit un jeu, il faut qu'il y ait une participation libre. Et c'est justement cette participation libre qui peut faire barrage. C'est-à-dire que dans le jeu, vous avez, entre guillemets, deux facettes. Vous avez la structure même du jeu, ce qu'on va appeler le game. La structure même du jeu sur un jeu de plateau, c'est quoi? C'est le jeu de plateau, c'est le plateau lui-même, ce sont les dés, ce sont les règles, etc. Ça, c'est la structure du jeu, c'est le game. Mais dans le jeu, il n'y a pas que le game. Il y a autre chose. Parfois, on peut jouer sans aucune structure. On a tous été enfants, ou même pour les rôlistes, vous le savez très bien, on peut tout à fait jouer sans aucune structure, on peut tout à fait ramasser un bâton, un caillou, ou même aucun objet, rien du tout, et fabriquer, se projeter dans un univers, soit tout seul, soit avec d'autres amis, etc., et jouer sans aucune structure. Ça, c'est le play. C'est-à-dire, c'est la participation libre du joueur et la manière dont il va se transférer son imaginaire, ses motivations dans le jeu, etc. Et on peut avoir des jeux qui ont une structure game, mais qui n'ont pas justement le play, qui ne permettent pas justement de se transférer, de se projeter dans le jeu. Et inversement, on peut avoir le jeu, le play, sans qu'il y ait forcément du game. Et c'est là qu'on peut reconnaître des mauvaises gamifications. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une certaine forme de gamification, vous connaissez tous, qu'on pourrait dire médiocre. Ce sont les fameuses cartes de fidélité. Les cartes de fidélité, alors ça existe depuis un petit moment, mais vous avez peut-être remarqué que ça évolue dans les magasins. Depuis plusieurs années, ça fait un petit moment déjà, eh bien, ils essayent, en plus de la carte de fidélité, de créer tout plein de petits jeux autour. Par exemple, vous allez devoir collectionner des vignettes, vous aurez des quêtes, genre par exemple, aller acheter tel produit à tel moment pour bénéficier, etc. Vous allez même pouvoir faire des combos. Bref, il va y avoir tout un système entre guillemets ludique. Donc, que les choses soient claires, là on a véritablement une structure de jeu. Qu'est-ce qu'on n'a pas et pourquoi c'est médiocre et pourquoi ça ne marche pas? On n'a pas le play. Parce que cette participation libre qui consiste à pouvoir se transférer dans le jeu qu'on vous propose, dans le cas de la carte de fidélité et de l'achat, eh bien, c'est tout simplement chiant et pas très palpitant. D'autant plus que généralement, c'est le portefeuille qui est touché. Alors, je veux bien croire, il y a certains, bien sûr, qui prennent du plaisir à collectionner les petites vignettes, etc. Bon, ça existe. Mais en règle générale, on voit ici que la capacité même du joueur à s'autodéterminer dans cette structure de jeu est quasi nulle. Elle n'existe pas. En réalité, c'est un jeu, véritablement un jeu de couloir avec des quêtes aussi palpitantes que vous donnent les PNJ dans un mauvais RPG, pour aller vite. Donc ça ne va pas très loin. Donc voilà deux exemples. La gamification qui peut être de l'exploitationware, de la gamification médiocre, comme dans le marketing, ce qu'ils essayent de faire. Donc, finalement, est-ce qu'on a quelques exemples de bonnes gamifications? On va en citer quelques-unes. Par exemple, une application qui s'appelle Quantum Move. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains. C'est un laboratoire au Danemark. Donc, ils font des recherches en physique quantique. Et ils essayent notamment de travailler sur des ordinateurs quantiques. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas aller plus en détail sur les recherches. Je ne suis pas physicien, je risque de dire des bêtises. Donc je vais rester assez simple, de toute façon ce n'est pas plus important. Pour faire vite, pour leur ordinateur quantique, ils ont besoin d'anticiper les mouvements à un niveau atomique, etc., avec un laser. Enfin bref, des choses assez complexes qui nécessiteraient, par exemple, un grand travail sur des équations, mais ce n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Ou alors, il faudrait trouver des gens qui auraient déjà un bagage, diplômés, etc., qui travailleraient à essayer de voir les différentes variables, etc., pour pouvoir anticiper les mouvements et autres. Ce qui n'est pas possible non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc, ces chercheurs au Danemark? Eh bien, ils ont transposé ce travail de recherche en jeu vidéo, ça a donné Quantum Move, où, en fait, n'importe qui peut contribuer à la recherche en jouant à un jeu vidéo avec un... Alors ça se présente comment? Vous pourrez aller, vous tapez Quantum Move sur Internet, c'est une application gratuite, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Ça se présente en deux dimensions, vous avez comme une sorte de fluide qu'il faut faire passer d'un côté à un autre. Et en fait, ça implique de la dextérité et de l'intuition.
Ce que ne peut pas faire, ce que ne peuvent pas faire des équations ou des machines. C'est pour ça que le travail doit être, entre guillemets, humain. Mais c'est un travail, pour le coup, chiant, mais nécessaire pour la contribution à la recherche. Et donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé cette application de manière très simple, qui ressemble à un jeu, où vous avez justement un système de points, etc., où il faut trouver la meilleure manière de faire passer ce qui ressemble à une sorte de liquide d'un côté à un autre, etc. Eh bien, toutes ces données-là, ont participé à faire grandement et de manière très impressionnante, ont contribué à faire avancer justement la recherche chez les chercheurs, donc pour les travaux sur l'ordinateur quantique. C'est non seulement une prouesse scientifique, mais c'est aussi une prouesse sociale. Parce que pour la première fois, on voit des profils qui n'ont rien du tout de scientifique, qui n'ont pas forcément un bagage important derrière eux, ou pas du tout, au niveau universitaire, etc., et qui y contribuent et participent grandement à la recherche. Alors par exemple, pour Quantum Move, ceux qui ont participé le plus à faire avancer la recherche sur cet ordinateur quantique, eh bien, on avait un chauffeur de taxi, on avait une lycéenne, on a une femme de 40 ans qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, etc. Donc on a cette double prouesse à la fois scientifique et sociale. Autre exemple, et là pour le coup il y a une transformation dans la réalité, c'est pas juste un serious game, il y a véritablement quelque chose qui se passe. Autre exemple, Foldit. Là, c'est un petit peu la même idée, c'est pour faire avancer la recherche sur des protéines. Donc là, vous avez en 3D, en 3 dimensions, donc ça se présente un peu comme un jeu. Vous devez trouver les bonnes combinaisons, les bonnes interactions, etc. Pour trouver ce qui va fonctionner le mieux. Et les résultats ont été tellement impressionnants qu'on a des résultats de joueurs qui ont été publiés dans des revues prestigieuses et validés, qui ont permis de faire avancer la recherche, comme une revue comme Nature. Et donc, on voit véritablement cet apport avec ce type d'application. Alors ça, c'est pour le domaine de la recherche. Et finalement, ce qu'on remarque, c'est qu'il s'agit d'une sorte de crowdsourcing, mais transféré aux jeux vidéo. Parce que le crowdsourcing, ça peut être pas très palpitant, ça peut être très ennuyeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est lorsque, par exemple, des données sont accessibles à chacun et que chacun participe à faire avancer, à étudier les données, à les analyser, etc., à les comparer, ce qui n'est pas forcément palpitant. Et bien là, c'est transféré à des logiques de jeux vidéo. On voit ce que ça peut faire dans la recherche. Ça peut avoir des choses très intéressantes aussi dans le domaine politique. Prenons un exemple. Imaginez, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un jeu qui s'appelle Démocratie 3. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Alors, Démocratie 3, pour faire rapidement, c'est un jeu qui vous propose une interface qui est une sorte de simulation où vous devez gérer, vous êtes le président ou un ministre quelconque, enfin qu'importe. Enfin, vous, non, vous êtes plutôt Premier ministre pour le coup, puisque vous gérez le gouvernement. Et vous devez gérer à la fois les réformes, économie, sociale, vous avez un retour de la population qui n'est pas contente, etc. Donc c'est une simulation vidéoludique de politique. Eh bien, imaginez ce qui se passerait si on prenait ce type d'interface et qu'au sein d'une ville, eh bien, on mettait les données budgétaires réelles, donc libres à tous, où chacun peut non seulement prendre connaissance de manière ludique du budget de sa ville, peut, grâce à des simulations, voir, faire des simulations, etc., pour voir comment ça fonctionne, ce qui va lui permettre de comprendre des mécanismes complexes, puisque quand on parle d'économie, très souvent, on va vous répondre, les experts, de toute façon, faut avoir tel diplôme, faut être un expert en économie, faut être expert comptable, je ne sais pas trop quoi, vous ne pouvez pas comprendre. Sauf que quand c'est transféré aux jeux vidéo, là, tout de suite, c'est accessible. Donc, un, ça permet de comprendre, d'avoir accès à des données qui ne sont pas forcément très palpitantes telles quelles, de pouvoir jouer avec, pourquoi pas même de trouver des idées à travers le jeu, de faire des propositions. Donc vous voyez que là, on a des possibilités avec la gamification qui peuvent être passionnantes et qui peuvent s'appliquer vraiment à tous les champs, que ce soit scientifique, que ce soit politique, etc. Et des mécanismes complexes qui sont très délicats, qui peuvent être abordés finalement par n'importe qui, par le jeu vidéo. Alors on va prendre ce qui pour nous est peut-être l'exemple par excellence, c'est la gamification appliquée à l'éducation et à la pédagogie. On va prendre l'exemple d'une école new-yorkaise, d'un collège. Donc c'est une école publique, ce n'est pas une école privée. Donc ça, c'est important à signaler. Qui s'appelle Quest to Learn. Et c'est une gamification puisqu'il s'agit dans cette école de transférer les logiques du jeu vidéo à l'éducation et à la pédagogie pour les élèves. Alors, ça se présente comment ? Je vais vous expliquer. Eh bien, il faut déjà partir de cette idée, de ce postulat finalement,
casser un petit peu une représentation qu'on a tous, surtout en France. En France, peut-être un peu moins maintenant, mais on a encore du travail à faire, ou dans les pays européens, on a toujours cette idée que pour apprendre, pour s'épanouir intellectuellement, il faut souffrir. Il faut le mérite, comme vous le savez, j'assiste souvent à des conseils de classe en tant que professeur, et je remarque que quand on dit qu'un élève est méritant, c'est parce qu'il a le plus, c'est celui qui a le plus souffert. Alors, je suis d'accord pour dire qu'un élève qui souffre, faut l'aider, mais c'est peut-être pas normal de dire parce qu'il a une souffrance, il correspond à ce qu'on lui demande et on va le récompenser. Faut l'aider plus que le récompenser, cet élève-là. Mais on a cette logique-là que le plaisir passe par une certaine forme de souffrance, c'est dur, c'est pénible, etc. Ça fait peur, c'est angoissant avec tous les examens, etc., tout ce qui s'ensuit. Or, on oublie, si on va dans l'Antiquité, un grand penseur, peut-être l'un des pères de la science, Aristote, disait « Tout homme désire naturellement savoir ». Je pense que vous connaissez cette formule, vous l'avez sans doute vue en philosophie quand vous étiez en terminale. Mais ça veut dire quoi, « Tout homme désire naturellement savoir » ? C'est que l'apprentissage, l'épanouissement intellectuel, non seulement est quelque chose de tout à fait naturel, et surtout, Aristote le précise, Aristote prend l'exemple des enfants. Les enfants aiment jouer. Les enfants aiment jouer parce que quand ils jouent, ils apprennent. Ils imitent, par exemple, en jouant des rôles, ou alors en regardant des représentations picturales, qui sont des imitations aussi, etc. Apprendre, c'est jouer. Jouer, c'est apprendre. Et lorsqu'on a compris cela, eh bien, on peut véritablement ouvrir un nouveau champ. Ce qui nous manque aujourd'hui est casser déjà cette idée que apprendre, ça fait souffrir. Non, apprendre, l'apprentissage, lorsque c'est bien fait, même s'il y a de l'effort, ça doit générer davantage du plaisir ou de l'enthousiasme. Eh bien, c'est ce qu'essaye de faire cette école, Quest to Learn, en transférant donc des logiques de jeu type RPG à l'école. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe ? On abandonne les notes. On abandonne les notes telles que vous les connaissez, évaluées sur 20 ou aux États-Unis avec les lettres, etc. On abandonne les notes et on les remplace par des systèmes de jauge, de compétences, de level up. Alors, ça peut sembler artificiel, mais pourtant, il y a une grande différence. C'est quoi ? C'est que, prenons l'exemple de la France. Lorsque vous êtes noté, généralement, on considère que c'est insuffisant quand vous avez moins de 10. Et quand vous avez moins de 8, voire moins de 5, c'est une note qui vous dit que c'est un échec. C'est un feedback qui vous montre votre échec, qui vous montre que vous n'y arrivez pas, qui vous montre parfois que vous êtes nul, surtout si on a un professeur derrière qui va insister en disant, voilà, enfin bref, vous savez. Donc l'élève est pris dans un rouage où le feedback qu'il va recevoir, c'est son échec, ce qui ne va pas le permettre de s'améliorer. Or, dans le système de compétences, vous remarquerez, dans les RPG, il y a peut-être quelques jeux qui existent comme ça, mais généralement, dans les RPG, vous ne pouvez pas descendre. Vous pouvez soit rester ou augmenter, mais vous ne pouvez pas régresser. Or, on est en France, par exemple, ou dans beaucoup de pays, dans cette idée que l'élève, on peut lui monter un feedback de régression. Quand vous avez 2 sur 20, c'est le cas, ou vous avancez pas, ou que vous êtes nul, etc. Même par exemple, on vous fait redoubler, etc. Il y a toute cette idée de régression et de non-progression. Donc on ne peut que progresser dans des logiques de compétences, de level up, etc. Et ça, pour les enfants, psychologiquement, ça change tout, dès le départ. Ensuite, ils ont le feedback toujours, mais ils n'ont pas cette situation d'échec. Ensuite, les cours et les exercices sont transformés en quêtes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire bon, on va prendre telle période historique et on va faire tel exercice après pour voir si vous avez compris. Il s'agit de présenter une quête avec une finalité précise où les élèves vont jouer un rôle. Ils ne seront plus eux-mêmes des élèves, ils vont eux-mêmes jouer un rôle dans cette quête, comme on le fait dans le jeu vidéo. Et l'enseignant n'est plus celui qui sait et qui va transférer tout son savoir dans des têtes vides. Pas du tout. L'enseignant devient un maître du jeu. Donc l'enseignant devient à la fois celui qui va accompagner, mais comme maître du jeu, va être aussi celui qui va s'occuper du game design, donc c'est-à-dire de mettre en œuvre justement ce jeu. Alors, je vais prendre un exemple de séquence pédagogique de Quest to Learn. Par exemple, il devait voir la période des guerres médiques, donc 6e, 5e siècle avant notre ère. Donc c'est
la Perse contre les cités athéniennes, pour aller vite, vous avez Darius dans un premier temps et Xerxès, le fils, qui essaye de conquérir les cités grecques, dont Sparte et Athènes, donc tout le bassin méditerranéen. Alors, dans une séquence pédagogique classique, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un peu d'histoire, on va voir les cartes, etc. On va demander à apprendre, on va faire un contrôle et vous êtes évalué. Ça, c'est ce qu'on a tous eu, je crois. Eh bien, dans Quest to Learn, c'est différent. Les élèves vont être mis, vont devoir jouer un rôle, ils vont devoir jouer le rôle d'espion à la solde de Darius ou de Xerxès. Et ils vont devoir monter un plan stratégique pour savoir comment envahir Sparte et Athènes. Pour cela, ils vont devoir récolter des données économiques, politiques, géographiques, dans le but de trouver la meilleure stratégie pour les envahir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ça va se faire en plusieurs temps. Ils vont commencer par jouer à un jeu de cartes pour apprendre les termes géographiques. C'est-à-dire, ils vont commencer à apprendre un petit peu la règle du jeu pour savoir, avec les termes géographiques, à quoi ça correspond, telle chose, etc. Et ainsi pouvoir jouer avec. Ils vont ensuite créer une page wiki pour référencer leurs résultats. Ils vont après créer une carte interactive pour présenter un petit peu leur stratégie et ensuite faire une conférence pour présenter un petit peu comment ça va se passer, un petit peu comme un conseil de guerre si vous préférez. Ensuite, ils vont jouer à un jeu de plateau type risque où on a justement implanté toutes leurs recherches, où ils vont tester les différentes possibilités. Ils vont devoir évidemment dans le jeu utiliser les bons termes, mais des termes géographiques. Vous voyez l'idée ? Et enfin, une fois que ce sera fait, eh bien, ils vont devoir utiliser tout ce qu'ils ont appris et l'appliquer à leur propre lieu, là où ils habitent. C'est-à-dire, une fois qu'ils auront vu un petit peu comment les mécanismes s'agencent entre la situation économique, les échanges marchands dans le bassin méditerranéen, etc., la géographie, l'affluence, eh bien, on va leur demander de faire un peu la même chose là où ils habitent. Et à chaque fois, bien sûr, en présentant la chose aux élèves, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Ce qu'on remarque, c'est que déjà, c'est interdisciplinaire. Il n'y a pas géographie d'un côté, histoire de l'autre, informatique de l'autre. C'est un mélange de géographie, de théâtre, dans l'improvisation. Donc c'est aussi un rapport important avec la manière dont on va pouvoir s'exprimer, dont on va pouvoir jouer. Parce que c'est pas, on ne se met pas soi-même en jeu, tout nu, comme on a tous expérimenté lorsqu'on était enfant. On joue. C'est pas pareil. Quand on joue, vous savez qu'on n'est pas dans la même disposition. On fait de l'informatique et donc on apprend à jouer avec tout ça. Et surtout, il ne s'agit non pas d'apprendre au sens théorique du terme, mais d'expérimenter le savoir, les connaissances et d'apprendre à en jouer. On ne distingue pas le théorique et la pratique. On est véritablement dans le savoir-faire, dans le jeu et dans quelque chose qui doit, où on doit prendre du plaisir. Il y a autre chose, donc je disais qu'on quittait le système de notes, mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que ça peut sembler artificiel le fait de jouer un rôle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la motivation est tout autre. Par exemple, à l'école, quand on va à l'école, quand on vous demande de bien travailler, eh bien, les motivations sont toujours extérieures. Vous essayez de travailler pour avoir une bonne note, pour que vos parents soient contents. Vous essayez de travailler pour éviter une mauvaise note, pour ne pas vous faire punir, ou pour plaire, ou etc. Ou évidemment, ça c'est la finalité des finalités des finalités, avoir une bonne note pour rentrer dans une grande école et avoir un bon métier et réussir sa vie tant qu'on y est, avec toutes les représentations, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois, les motivations sont toujours extérieures. Et à aucun moment, il n'y a de motivation pour l'activité elle-même. Et ça, c'est problématique. Or, dans le jeu vidéo, justement, on se motive pour l'activité elle-même, par l'activité. Et avec cette école comme Quest to Learn, eh bien, on se motive par l'activité même où on va justement être dans cet apprentissage. On ne va pas le faire pour avoir une bonne note, on ne va pas le faire forcément pour plaire aux parents, on va le faire parce qu'on expérimente quelque chose, parce qu'on est en train de vivre quelque chose et parce que surtout on voit que ça sert, que c'est utile et comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que la motivation est tout à fait différente. Alors, toujours à Quest to Learn, il y a aussi parfois d'autres quêtes, on va dire, de sensibilisation. Vous savez, on a les enseignements, l'enseignement moral et civique en France, où on va, par exemple, sensibiliser à certains problèmes, etc. Alors, comment on fait pour sensibiliser des collégiens et des lycéens ? Alors, soit on les fait débattre ensemble, ce qui est bien, soit on fait appel à une personne extérieure qui va venir en parler, ce qui est très bien aussi. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, une fois que l'heure est passée, que la journée est passée, eh bien, les élèves, ils oublient.
malgré l'implication et malgré les choses intéressantes dans le débat, malgré l'implication des gens extérieurs, eh bien, il n'y a pas cette continuité, il n'y a pas forcément eu ce petit quelque chose, cette sensibilisation, justement, elle ne s'est pas forcément produite. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire à Quest to Learn ? Eh bien, ils vont partir, donc je prends un exemple, l'exemple du harcèlement, le harcèlement à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, déjà, ils vont mettre les élèves, non pas en situation de débat ou d'un acteur extérieur, on va leur dire votre mission, et non seulement de trouver par vous-même quels sont les différents éléments, comment on peut reconnaître le harcèlement, etc., et de trouver des solutions afin de pouvoir les présenter à d'autres élèves, voire les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans une position d'acteurs. C'est eux les acteurs. C'est à eux, non pas d'être sensibilisés, mais de sensibiliser. Ce qui n'est pas la même chose. Donc ils vont travailler là-dessus, ils vont travailler donc ensemble, en essayant déjà d'identifier la chose. Qu'est-ce qu'ils vont remarquer ? Ils vont remarquer que si on veut trouver des solutions, généralement, ce n'est pas l'élève harcelé qui est en position de faire bouger les choses, parce qu'il est soit isolé, parce qu'il a peur, etc. Mais ils remarquent que lorsqu'il y a un harcèlement à l'école, il y a toujours au moins un autre élève, plusieurs témoins qui sont au courant et qui voit la chose. Et il remarque que c'est cette personne-là, ce sont ces témoins, ce sont les gens autour qui, eux, peuvent faire quelque chose, qui peuvent agir. Et donc, ils vont travailler là-dessus et vont ensuite le présenter aux autres élèves et créer une sorte de charte d'engagement pour s'engager eux-mêmes s'ils sont témoins. Mais c'est un travail qu'ils ont fait eux-mêmes, accompagnés bien sûr par le professeur, pour pas que ça aille dans tous les sens, par l'enseignant plutôt, mais ça vient véritablement d'eux, et cet engagement, justement, c'est pas un engagement qui vient de l'extérieur, c'est ils s'engagent eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont pu analyser, et parce qu'ils sont acteurs. Donc voilà pour l'exemple de harcèlement. Alors, Quest to Learn est vraiment l'exemple d'une gamification réussie. Pourquoi ? Parce que non seulement elle va rendre très enthousiasmant l'apprentissage par le plaisir des jeux, par les mécanismes mis en place, comme pour les guerres médiques, elle va aussi réveiller le pouvoir d'action des élèves. Parce que repensez à toute votre scolarité. Est-ce qu'on se sent acteur lorsqu'on est en classe ? Est-ce qu'on se sent avoir un pouvoir d'action ? Le jeu vidéo consiste en quoi, finalement ? Le jeu vidéo consiste à placer un cadre. Le cadre, vous ne l'avez certes pas décidé, mais à l'intérieur du cadre, vous avez un champ d'action. Vous avez une possibilité, vous pouvez vous autodéterminer à l'intérieur. Et c'est ce que fait l'enseignant. L'enseignant place un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, les élèves ont véritablement un champ d'action, quelque chose qui leur appartient et une motivation qui vient d'eux. Et plus encore, ce qui est très intéressant aussi, c'est que par le jeu, il y a un apprentissage à la coopération, mais à une coopération intelligente. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire, vous mettez en groupe de quatre et vous travaillez ensemble. Là, c'est une coopération, on va se dire, tiens, on a telle quête à faire, on doit espionner les Athéniens. Toi, tu maîtrises l'informatique, etc. Montre-moi, etc. Tiens, bah, c'est toi qui vas être le lead pour telle tâche. Ensuite, c'est moi qui reprends le lead, etc. Donc, ils vont apprendre à faire de l'autogestion, tout simplement, au niveau social. Et non pas juste par encore des choses qui s'imposent de l'extérieur. Et enfin, je le disais, Quest to Learn, c'est aussi un sacré pied de nez à des représentations, des prêts-à-penser de l'école et de « on doit souffrir lorsqu'on travaille, lorsqu'on apprend, etc. » Donc voilà, pour faire le tour, la gamification, ce que ça peut donner en tant qu'outil, le meilleur comme le pire, hein, puisqu'encore une fois, c'est neutre, hein, on peut vraiment, par la gamification, entrer dans quelque chose de véritablement, dans une véritable exploitation. Vicis, qui va me rejoindre tout à l'heure, pourra peut-être vous parler qu'il y a parfois certaines sectes qui reprennent des formes de gamification et que ça peut avoir des effets assez dérangeants et très vicieux. Mais ça peut aussi être extrêmement palpitant dans des activités et surtout retrouver cette motivation de la part des élèves qui deviennent acteurs, etc., par exemple dans l'éducation ou dans la recherche. Donc c'est un outil, c'est surtout ça qu'il faut retenir à propos de la gamification. Donc, je vais peut-être laisser Vicis me rejoindre maintenant et on va peut-être affiner et prendre vos questions aussi ou vos remarques. Je ne sais pas s'il marche, non, je vais t'allumer. Bonjour. Ça marche. Voilà, alors je ne sais pas, tu veux ajouter quelque chose ou prendre des questions ? Oui, si vous avez des questions, allez-y. Excusez-moi, je viens d'arriver il y a à peu près 10 minutes. Voilà.
Voilà. Donc je pense que vous avez peut-être dû répondre à la question un peu plus tôt dans la conférence, mais donc voilà, vu que je viens d'arriver. Est-ce que vous avez des exemples concrets de là où la gamification a déjà été appliquée dans le monde scolaire ou même autre que scolaire, si jamais? Oui, bon, on en a cité quelques-uns dans le champ de la recherche. On a cité des applications comme CompMove, comme Foldit, dans le marketing, la carte de fidélité, etc. L'école Quest to Learn, peut-être que tu veux ajouter des choses sur peut-être les sectes. La scientologie. Oui. Alors, il faut savoir que Ron Hubbard, le créateur de la scientologie, était écrivain. Écrivain raté. Donc, il a écrit un scénario, putain d'histoire, et l'a rendu réel. Et quand on étudie la scientologie, on voit qu'il y a des level-up, des niveaux, des quêtes qui donnent accès à des super-pouvoirs. Donc c'est vraiment c'est fascinant et horrible à la fois. Donc ça montre, je pense que la scientologie, si vous voulez voir la gamification à l'extrême, là où c'est le pire, vous regardez. Et voilà. Voilà. Tu peux nous donner des exemples de gamification en scientologie ? Le test d'entrée. Alors le test d'entrée, c'est plutôt de la pure manipulation. C'est un test de personnalité qu'on peut trouver sur le net, qui n'est même pas étiqueté scientologie. Il faut aller chercher les résultats dans une église, et forcément les résultats sont très mauvais. Comme ça, on peut déprimer la personne, enfin la scientologie déprime la personne, et lui donne quelques conseils. Mais ça va tout doucement. Au début, ils ont un discours pseudo-scientifique, très technologique, un peu, qui tient bien. Et petit à petit, il y a des petites doses de fiction, des extraterrestres, des trucs comme ça. Et il y a surtout donc le système de progression et level up. Déjà, il y a le feedback par rapport à leur machine, j'ai oublié le nom. Oui, alors ils ont une machine, c'est l'électromètre. Ça mesure l'électricité, enfin c'est censé mesurer les états psychologiques selon la scientologie. Et donc ils font des exercices où ils doivent atteindre un bon chiffre. Donc il y a tout le temps ce feedback et c'est des exercices répétés. Et en fait, ils appareillent ça avec un entretien quasi psychanalytique, sauf que eux, ils remontent, ils poussent la personne à parler de vie passée. Et là, on commence à faire délirer la personne. Tout ça. Et donc il y a ce mécanisme de feedback, comme dans les jeux. Et après, la personne a réussi, donc c'est la fête, c'est comme un gain de niveau dans un avec des pouvoirs. Mais parallèlement, plus la personne monte, bon, plus elle paye, évidemment, ça va, c'est des milliers d'euros, et plus on l'écarte, parce que c'est un héros, parce que c'est un demi-dieu, on l'écarte de sa famille, de tous les gens qu'il connaît. Donc il y a plusieurs facettes à la scientologie, hein, pas que le jeu. Oui, il y a le système aussi de progression vis-à-vis du background. C'est-à-dire, comme vous savez, dans les RPG, donc il y a ce système de progression déjà, avec les pouvoirs qui se développent, vos armures qui coûtent de plus en plus cher, c'est un petit peu la même idée, etc. Bon là, les armures sont remplacées par les formations et tout ce qui va aller avec. Hein. Mais il y a donc ce background qui se débloque, c'est-à-dire, comme dans les jeux vidéo, quand vous progressez dans un univers fictif, bien sûr, fantaisiste ou autre, comme dans les RPG, il y a aussi cet attrait par l'univers que vous allez progressivement découvrir. Et c'est exactement dosé, là je pense que c'est davantage ses talents d'écrivain qui jouent là-dessus pour Hubbard, mais ça va progressivement, le background va progressivement... Il y aura des révélations. Des révélations, en fait. Voilà. Et du coup, va participer aussi à ce faux gain que croit avoir le membre qui évolue progressivement. Ouais, alors par exemple à 50 000 dollars, donc ça doit être le niveau Tom Cruise à peu près l'arrivée. Alors il a dû apprendre que Jésus était homosexuel, que des extraterrestres donc envoyés des sortes de, ont laissé des résidus dont on est tous porteurs un peu comme des puces. Enfin il y a toutes sortes d'histoires comme ça à 50 000 dollars. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extrême du pire. Tu citais tout à l'heure comme application de gamification les données publiques d'une ville, par exemple, pour la démocratie, etc. Est-ce que ça a déjà été fait? Et est-ce qu'il y a d'autres choses dans le même genre qui ont déjà été faites qui pourraient améliorer le social?
Alors, les crowdsourcing comme ça, ça a déjà été fait à plusieurs reprises, en Angleterre par exemple. Alors moi, malheureusement, j'ai perdu le nom, mais il y a 10-15 ans, j'avais testé un tout petit jeu. C'était une mairie au Québec qui avait mis toutes ces données. Et on pouvait paramétrer, comme dans Démocratie 3, mettre des services, enlever le service des poubelles, rajouter des heures d'ouverture de la bibliothèque et tout ça. Et on voyait le budget comme ça et on pouvait faire plein de tests. Et c'était absolument génial, quoi, parce que là, on pouvait vraiment jouer avec le politique et voir ce que ça donnait, voir les problèmes. Et comprendre. Et la mairie gardait toutes ces données. Pour voir ce qu'il y avait de mieux qui ressortait ou ce que les gens voulaient aussi. Enfin, ils avaient gardé les données. Et l'autre exemple, c'est Audrey Tang, qui est une programmeuse en Corée, qui a commencé à rendre transparent toutes les données de l'État et les rendre accessibles aux gens. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'état de jeu, mais les gens ont beaucoup plus de facilité à les voir, à les comprendre. Et il y a eu en Angleterre aussi, mais là c'est pas tant du jeu vidéo, là c'est plus du crowdsourcing, mais ça pourrait tout à fait être appliqué à du jeu vidéo, où des données ont été rendues publiques, notamment sur la manière dont les députés, je crois, utilisaient l'argent. Et à partir de là, il y a eu tout un essor citoyen finalement qui s'est fait, où essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière, voir notamment aussi les abus. Donc dans le champ politique, ça... Il y a des possibilités, il y a vraiment quelque chose à creuser, ça c'est évident. Ouais, alors là c'était pour ce crowdsourcing de RP, c'était le Guardian qui avait fait ça, parce qu'il y a eu un scandale, il y a eu des dépenses des députés. Donc ils ont décidé de passer tous les notes en revue. Donc ils ont mis ça tout sur internet, ils ont bien mis une bonne application et tout le monde s'y est mis, ils ont trouvé des choses incroyables. Donc oui, en fait, c'est ça, c'est un système pour comprendre des choses par soi-même, enfin, techniquement, sous des règles, dans un cadre qui est une partie de jeu. Donc la gamification, c'est essayer de prendre quelque chose par soi-même et de prendre quelque chose pour essayer de le comprendre par soi-même, c'est ça? Alors, il s'agit de prendre toutes les mécaniques de jeu et de l'appliquer à un système qui n'est pas du jeu. Pour rendre plus simple, déjà parce que ça rend plus simple, on peut apprendre toutes sortes de choses via le jeu. On peut jouer plus avec, on peut bidouiller sans avoir des diplômes de physique quantique, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure. Et c'est extrêmement puissant. C'est surtout la motivation qui joue, en fait. C'est la manière dont on va s'appliquer dans une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit pour la recherche, que ce soit dans l'apprentissage ou autre. Où il s'agit de transformer son rapport avec l'activité que l'on fait, avec ses objets, etc. Comme tu disais, pour rendre quelque chose de palpitant. C'est surtout cette motivation-là, mais ça peut être appliqué à tous les domaines, j'ai envie de dire, humains, pour aller vite. Malheureusement, c'est aussi une arme d'exploitation extraordinaire. Et je pense que dans le futur, on va voir de plus en plus de choses extrêmement amusantes. Qui en fait nous exploitent. C'est le cas avec tout ce qui est les données. Par exemple, tous les applis, les jeux, c'est incroyable. Il y a une énorme exploitation derrière. On s'amuse, et c'est vraiment bien. Hein. Des fois, les jeux, les trucs sont vraiment bien, mais les données sont pompées, quoi. Il y avait, alors je dis il y a parce que je ne sais pas si ça existe encore, à vérifier. Mais en tout cas, il y a eu une société qui s'appelle, tenez-vous bien, 1984. J'ai cru à un troll quand j'ai lu ça, mais ils étaient très sérieux. Elle existe toujours. Et elle existe toujours, merci. Ça ne me rassure pas. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils proposent donc pour le marketing, le travail, etc., des services pour faire de la gamification, soit pour la publicité, ça s'appelle 1984. Et alors, on a des exemples dans le marketing. Dans le marketing, ça peut donner quoi? Ça peut être des explications type jouer, prenons un truc genre Pokémon Go, qui existe depuis longtemps dans le marketing, des applications comme ça, et qui vont faire circuler dans les magasins et qui vont véritablement déterminer vos mouvements. Là, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de comment reconnaître quand une gamification est de l'exploitation. Lorsqu'il n'y a plus d'autodétermination du joueur, là on est véritablement dans l'exploitation, si ce n'est de la manipulation.
Et c'est ce qui permet véritablement de voir la limite de la chose. C'est ce qu'on retrouve dans le marketing, c'est ce qu'on retrouve dans les sectes, c'est ce qu'on peut retrouver parfois dans le management, parce que ça aussi, c'est un domaine gamifié, le travail en open space. Par exemple, ceux qui s'occupent des télécommunications, ce genre de choses, qui ont des systèmes de scoring, où on va faire comme si c'était un jeu pour avoir, allez, celui qui va vendre le plus de produits, etc. Là, vous avez un exemple de gamification qui a des effets exactement désastreux pour la souffrance au travail, le stress et parfois des choses pires. Donc là, et justement, là on reconnaît l'exploitation et la manipulation parce qu'on voit que le champ de possibilités, la détermination même du joueur, du salarié, est quasi nul. Là c'est de la manipulation ou de l'exploitation. Oui, à ce sujet, faites attention aux ouvrages, aux livres sur la gamification, même sur Internet. Parce que souvent, ils sont écrits par des gens du marketing ou du management, donc ils sont à visée d'exploitation. Toutes les recettes qu'ils donnent sont à visée d'exploitation. Y a mieux à faire si on veut gamifier soi-même, c'est de prendre des livres de game design pour game designer. Là, vous aurez quelque chose de vrai, où on s'occupe du joueur, de son expérience, de son plaisir, où il y a vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, pour Quest to Learn, j'avais juste oublié de signaler que les enseignants, justement, dans l'école, travaillent avec des game designers ou alors, progressivement, apprennent à être eux-mêmes game designers. Donc, si vous voulez vraiment travailler cette question de la gamification, plutôt que d'aller voir des livres de, je sais pas, comment réussir, machin chose, vous savez, les titres de management qu'on connaît tous, évitez à tout prix, allez plutôt voir du côté... C'est Institute of Play. Et là, ils donnent tous leurs jeux, tous leurs programmes par discipline, par interdiscipline. Tout est expliqué. Il y a vraiment. Pour Quest to Learn. C'est une mine d'or. Institute of Play. Comment on peut gamifier le travail sans que ce soit de l'exploitation ? Alors, il faut se baser sur les joueurs, c'est-à-dire. C'est les employés en fait qui devraient se game designer eux-mêmes. Il faudrait que ça parte d'eux. En leur laissant justement du champ libre et non pas en leur imposant quelque chose de l'extérieur. Donc ça c'est oui effectivement. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est au-dessus, qui est dans la hiérarchie, ne pourra pas faire ce travail. Il faut mieux qu'il s'efface, qu'il fasse un rôle plutôt de guide, mais très lointain, dire bon, qu'est-ce que vous voulez, et laisser s'exprimer. Médiateur, organisateur, et non pas chef. Voilà. Ma question, c'est plus sur la question de l'exploitation des données. C'est-à-dire que vous parliez du Duolingo au tout début, qui du coup ferait des traductions de texte par des utilisateurs. Mais pour l'exemple qu'il y avait par exemple pour Quantum Move, c'est un peu le même but. Sauf qu'il y a un but scientifique, il y a un autre but derrière, ça reste de l'exploitation de données. Donc après, je me doute qu'il y a forcément, la justification éthique derrière entre ce que fait l'un et ce que fait l'autre, puisque l'un, il y a une portée économique, il fait travailler gratuitement des gens, et l'autre, il fait travailler gratuitement des gens pour la recherche, donc pour le progrès scientifique, humain, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses où on va dire ce jeu-là va servir à quelque chose pour avoir quand même... plus cette idée de crowdsourcing qu'on peut vraiment parler, puisque sinon c'est un peu bizarre. Et puis même au niveau de la recherche, je ne sais pas si ça donne une validité. Je me suis posé la question pour Quantum Move, parce que là, ils font de la recherche pour un ordinateur quantique. Donc à terme, j'imagine que ça va leur apporter de l'argent quelque part. Donc oui, la question du financement de ces joueurs pose problème. Et là, il faudrait un changement de société, quoi. Alors moi, à chaque fois, je dis toujours la même solution. S'il y avait un revenu universel, il n'y aurait pas ces questions-là. Mais voilà, la grande différence, la question éthique, effectivement, se pose. Par exploitation, ce qu'il faut entendre, quand on parle d'exploitationware, c'est que on va faire travailler la personne et le travail, il va pas en tirer forcément un bénéfice directement, en tout cas pas forcément un bénéfice auquel il serait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si on vous pose la question, vous allez faire un jeu, vous allez voir c'est rigolo et vous allez faire avancer la recherche, mais derrière ils vont pas se faire de l'argent, etc. Je pense que on serait pas à refuser. Par contre, si on vous pose la même question en vous disant « Vous allez faire un jeu, vous allez apprendre des choses, par contre, ils vont se faire de l'argent sur votre propre travail », si on vous pose la question telle quelle,
comme c'est le cas pour Duolingo, là vous voyez que c'est finalement pas du tout le même angle. Donc il y a cette question éthique, il y a cette question du bénéfice. Quand je dis bénéfice, je ne parle pas forcément de l'argent, je parle par rapport à la personne qui va jouer, par rapport aux gens qui sont derrière l'application, etc., qu'il faut se poser, effectivement, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut trancher comme ça en créant des catégories. Ça, c'est l'exploitation, etc. C'est la question qu'il faut reposer à chaque fois pour ce type d'application. Mais je pense que c'est le même problème pour Facebook, hein, tout simplement. Mais là, c'est pas... là on travaille pour eux. Hein. Chaque fois qu'on se connecte à Facebook, qu'on alimente de trucs, c'est du travail. Et là, il faudrait que les gens perçoivent un revenu. Pour ça, un revenu global qui perd. Et voilà, le revenu universel. La solution à tout. Ah, je sais pas s'il y a d'autres questions. Duolingo, c'est l'inventeur du CAPTCHA, je crois qu'il l'a fait, vous savez, le truc qu'on tape là quand on s'inscrit en ligne. Ah, attends, je donne le micro. Ce qui m'intéressait dans Duolingo par rapport au CAPTCHA, donc les petits mots là quand on s'inscrit en ligne, qu'on remplit pour comment dire, pour valider une inscription et montrer qu'on n'est pas un robot, ça aucune, c'est simplement utilitaire en fait. Bon, derrière, ce qui se passe, c'est qu'en général le CAPTCHA, vous le savez peut-être, mais c'est souvent par exemple les numéros que Google Street View a pas réussi à identifier sur la rue. Donc en fait, en remplissant le CAPTCHA, vous participez à soit décoder un bouquin ou décoder une adresse d'une rue. Mais pour le coup, ça c'est pas très intéressant. Et le créateur de Duolingo, c'était celui du CAPTCHA. Là, ce qui est intéressant, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est que certes, on va travailler pour de la traduction, mais on a quand même une super plateforme pour apprendre à apprendre une langue. Quoi. C'est là où je vois un petit peu la différence. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est extrêmement délicat avec la gamification, et ça va continuer de plus en plus fort, je pense. C'est que les programmes, les jeux vont être extrêmement attractifs. Et d'un côté, il y aura de l'exploitation. Donc, il faudrait qu'il y ait des avancées sociales d'un côté pour qu'on soit payé, qu'on puisse gagner quelque chose, une contrepartie de ça. Quoi. Je pense que le changement peut venir de là. Quoi. On va s'acheminer. Et aussi de l'information, d'éclairer la personne, ne pas faire ça sournoisement. Duolingo, le dit pas. Clairement, là, c'est un site que vous traduisez, qui va être monétisé, enfin, etc. Donc déjà, rien que le dire, ça serait déjà plus honnête. Et le dire, alors, il le cache pas, mais le dire véritablement, le signaler, justement, lorsqu'on fait ce genre de travail, et en dehors des conditions générales, tout à fait. Mais c'est vrai que, sans doute, on va aller vers des sociétés qui vont mettre le fun en avant, que ce soit... Mais il va falloir être très vigilant. Parce que si c'est pour un épanouissement de chacun, etc., les gamifications telles qu'on l'a présentée dans Quest to Learn, là, ça peut avoir un apport considérable pour le meilleur, mais que cette idée du fun ne permette pas de créer de nouvelles exploitations aussi. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit vigilant, justement, et c'est pour ça qu'on parle d'outils. La gamification est un outil. Et comme tout outil, il faut s'interroger sur le bien fondé de la manière dont on va l'utiliser. Donc voilà, c'est un défi chacun aussi par rapport à ce qui va se passer plus tard, et on le rencontre déjà avec les différentes applications, avec les mobiles qu'on a, où on voit entre des choses, on va dire, à peu près saines et d'autres qui sont plus ou moins limites, collecte de données ou autre exploitation, à être vigilant là-dessus. Alors, dans les exemples de gamification plus comme Quantum Move, il me semble que c'est dans Eve Online où ils ont mis un programme où on peut compter en fait des bactéries, parce que ça on sait pas l'automatiser, pourtant l'humain est très efficace pour le faire, mais par contre ils ont dit directement ça sert à ça, ça sert donc à la recherche, alors je sais plus, je crois que c'était sur le cancer, et en fait c'était dit vraiment dès le départ, et le joueur gagnait quelque chose dans le jeu. Ça c'est un bon concept, ouais. Laissez circuler le micro, ça sera plus simple, comme ça on va se partager à deux. Y a l'exemple, bon, c'est pas tant de la gamification, mais on voit aussi qu'il y a des recherches parfois dans le jeu vidéo. Il y a Léo qui est pas loin, dommage qu'il soit pas là, tu vois de quoi je parle ? Oui, de World of Warcraft. Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, vous avez vu l'épisode de Dorty ? Ben voilà, c'est pas la gamification, mais bon. Mais vous voyez qu'on a véritablement ce va-et-vient entre ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo et ce qu'on peut faire... Voilà, il n'y a pas ce clivage-là, il y a tout un domaine très particulier. Là, pour le coup, j'ai loupé l'épisode. Enfin, donc, si vous... Bah, voilà, je pense que
vous m'entendez, mais c'est juste pour justement, j'ai pas du tout suivi l'épisode de World of Warcraft, donc juste. C'est pas nous, hein, c'est DirtyVio. Bah non, mais juste résumer en quelques mots parce que j'aimerais comprendre. En fait, les développeurs de Warcraft ont inséré une sorte de malédiction, une peste dans une grotte. Et normalement, ça devrait rester dans le jeu, mais c'est sorti du jeu. Et il y a eu une épidémie dans tout le jeu. Et donc, il y a eu des observations extraordinaires sur les comportements des joueurs face à, à l'épidémie. Et les scientifiques sont vraiment intéressés à ça parce que pour faire de la prévention, pour voir comment ça se propageait, c'était vraiment passionnant. Et, mais par contre, ils n'ont pas pu, les scientifiques, travailler dessus. Mais ça montre le potentiel. On a un univers persistant avec des caractéristiques. On peut tester des choses de la réalité dedans aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Pourtant, il y a des sacrés grands mondes avec beaucoup, beaucoup de joueurs et on pourrait mettre de la réalité dedans. Tester des systèmes politiques, pourquoi pas. Alors, ça se fait dans, justement dans Quest to Learn. Ils ont un jeu comme ça avec Minecraft où ils doivent reproduire des périodes historiques avec les contraintes qu'il y a dedans. Ils font ça à l'école. Juste pour World of Warcraft, ce qui est intéressant, quel est l'apport justement de faire des simulations dans des MMORPG ? C'est qu'on a quelque chose que toute simulation et tout ordinateur ne pourra jamais faire, qui essaie de reproduire les comportements humains. C'est qu'en fait, on a des comportements irrationnels et stupides, qu'un ordinateur a du mal à imiter. Et ce qu'on peut retrouver justement dans World of Warcraft avec des gens qui s'amusent par exemple, c'est dans l'épisode de DirtyVio, qui s'amusent par exemple une fois qu'ils ont été contaminés, exactement. Donc, de ce côté comportement stupide, irrationnel, complètement inenvisagé, ça peut s'ajouter justement à des modèles et des simulations dans la recherche. Dans la même chose avec. Quand on parlait donc des applications par le jeu, je me souviens de l'épisode de Exhaust avec donc Game Talk qui parlait de l'événement Nuit Debout ainsi que de son système, de réponse du public quand en face de la personne qui parle avec les donc, systèmes de signes, et que c'était quelque chose qui pouvait être complètement adapté en quelque chose de ludique, donc devait faire des rassemblements tels que genre dans Nuit Debout, même qui ont pas de rapport, mais genre suivant donc, en ligne ou par le biais du jeu, avec bien sûr donc, un système de règles qui déterminerait les réponses ou genre choses là. C'est aussi un autre terme d'application. Et aussi pour le système politique que vous avez parlé, je sais qu'il y a des serveurs Minecraft qui font qui font des systèmes communisme pour leur modo. Voilà, j'en ai testé un ou deux comme ceci. On a le temps de prendre encore beaucoup de questions, donc... Non ? Ah non, c'est fini ! Ah, on peut continuer ? D'accord, bon, allons-y, soyons fous. Du coup, par rapport à la gamification de l'éducation, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture brutale, en fait, au passage de l'éducation supérieure ou au monde du travail ? Parce que quand c'est chiant depuis le début, c'est chiant au milieu, c'est chiant à la fin, on est habitué. Mais quand c'est ludique au début et qu'on arrive dans le monde du travail et que c'est pas du tout ludique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture brutale du coup et d'être inadapté ? En fait, les élèves à Questland font énormément de quêtes avec la communauté. En fait, ils montent des événements avec les gens autour, avec la ville, sur l'écologie, ils font leur propre truc. Donc, ils sont en quelque sorte déjà inclus dans la société. Il y a une question primordiale à Questland, c'est l'empowerment. Il faut donner du pouvoir aux élèves qui le prennent eux-mêmes, ils apprennent à gérer. Donc, ils sont encore plus adaptés, je dirais, parce qu'ils sont déjà chefs d'eux-mêmes, responsables, ils vont de l'avant. Ils savent comment travailler en collaboration, parce qu'ils sont tout le temps en collaboration, pour toutes les quêtes. Donc, j'ai pas trouvé encore le futur de ces élèves, ce qu'ils sont devenus. Hein. Elle n'est pas assez vieille encore. Il y a une bonne réussite à l'école, mais bon, c'est pas un très bon critère. On peut pas savoir encore ce que ça va donner, mais au vu de ce qu'ils apprennent, quand même, il y a bon espoir. Hein. Mais oui, effectivement, ce qui est visé justement dans cette école et dans cette éducation, cette pédagogie, c'est la plasticité même, c'est-à-dire la capacité même, l'empowerment bien sûr, mais de l'élève à s'adapter à diverses situations. J'ai un larcin ici.
me rapprocher de toi. Voilà. Et donc, forcément, il peut y avoir une rupture. Je pense que s'il doit y avoir une rupture, ce serait plutôt vis-à-vis des gens à l'extérieur et du regard par rapport éventuellement à leur parcours. Ensuite, par rapport aux outils qu'ont pu rencontrer ces élèves, expérimenter ces élèves, ils sont quand même sacrément bien taillés, justement, pour pouvoir faire face à des situations et pourquoi pas aussi essayer, par leur apport dans d'autres structures plus tard, apporter selon les perspectives qu'ils peuvent développer, etc. Il faut savoir aux États-Unis aussi que l'éducation est très différente chez nous, même dans les études supérieures. Par exemple, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans des pensées systémiques, plus qu'en France. Alors les pensées systémiques, je vais prendre un cliché. Vous savez, dans les séries américaines ou dans les films, il y a quelque chose qui nous amuse, nous, tout le temps, lorsque vous avez un détective qui est en train d'enquêter, de faire des recherches. Il a toujours ce réflexe de prendre un mur, de mettre des étiquettes et de mettre des fils partout. Quelque chose qu'on se... Les photos, avec des fils, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et en fait, ça par contre, c'est très développé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent beaucoup sur les logiques systémiques, c'est-à-dire de bien comprendre qu'il n'y a jamais un seul déterminant, il n'y a jamais une seule cause. Par exemple, sur le harcèlement, ils apprennent justement à comprendre que ce n'est pas un harceleur, il est méchant, il va harceler l'autre, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute une situation autour. Il y a par rapport aux autres, justement, à la différence de certains, d'autres qui peuvent participer, etc. Le contexte, enfin bref. C'est la pensée systémique qui est beaucoup plus propice à la gamification, justement, aux États-Unis, et donc sans doute moins en rupture avec les études supérieures, ce qui serait peut-être le cas en France, où justement, là, on est quand même un peu à la traîne. Au niveau de l'école, justement, comme ça, nous, c'est beaucoup de bourrage de crâne. Mais eux, finalement, est-ce qu'au niveau culture générale, on va dire, est-ce qu'ils n'ont pas moins de temps, finalement, pour apprendre ils se limitent peut-être beaucoup plus au niveau des sujets, finalement. Puisque comme le jeu, finalement, doit prendre beaucoup plus de temps que le bourrage de crâne à apprendre des dates chez soi par cœur, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus limités, finalement, dans les sujets qu'ils ont le temps d'aborder dans le courant de l'année scolaire ou quelque chose comme ça. Oui, en effet, il passe beaucoup de temps. Par exemple, la quête que racontait Gull, c'est 6-8 semaines. Hein. Ils passent, mais ils y vont à fond. Ils voient et ils le voient de toutes les coutures, de toutes les facettes. Alors donc oui, la culture générale doit être moindre, je pense. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils testent aussi les compétences. La grille, c'est des compétences, le savoir parler à l'oral, faire une bonne disserte. Il y a plein de séries de compétences, donc c'est aussi une spécificité des États-Unis. Et il y a aussi, justement, dans la culture générale, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce type de modèle comme Quest to Learn, il ne s'agit non pas de faire un bourrage de crâne, culture générale, etc., mais de susciter leur envie. À aller vers la culture. Je suis sûr même que, je vous pose la question, votre culture générale à vous, les choses qui vous plaisent aujourd'hui, les choses que vous maîtrisez, que vous connaissez, est-ce que c'est vraiment ce qui vous passionne, hein, je parle, est-ce que c'est vraiment à l'école que vous l'avez découvert? Ici, là, ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on est à l'école? Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Vous voyez? Donc, est-ce que c'est pas plutôt votre appétit et cette envie, justement, cette culture? Est-ce que c'est pas ça qui manque? Donc, peut-être, effectivement, qu'il y aura moins ce bourrage de crâne, mais je suis sûr que vous retenez beaucoup plus de choses aujourd'hui quand vous allez par vous-même les rencontrer que lorsque vous avez quelqu'un qui va vous dire « je vais t'apprendre un truc que tu connais pas », vous apprenez par cœur pour faire l'hétéro et que vous avez déjà oublié la semaine suivante. Donc, susciter la culture générale, il n'y a pas de retard de ce côté-là, pas du tout. Enfin, en tout cas, s'il y a cette envie-là, il n'y aura pas de retard. Du coup, j'avais pris le micro, mais en fait, tu as déjà presque répondu à la question. Mais je voulais rajouter ça parce que, effectivement, ce système éducatif qui fonctionne par compétences, moi, je le retrouve dans le monde de l'entreprise comme un système de management qui est un système de management qui gère sur les compétences. Et donc, du coup, en fait, on sent une préparation déjà au monde du travail et au monde de travail de management moderne dans cette technique d'éducation, je vais dire anglo-saxonne, parce que visiblement, en l'occurrence. C'est par là que ça passe. Alors, est-ce que quelque part, c'est pas pour préparer aussi au monde de l'emploi et au monde du travail qui peut lui aussi être aliénant de passer par ce système-là, ou est-ce que ça crée une génération qui est
plus libre, plus volontaire à aller chercher des nouvelles informations, plus capable de prendre du recul, ou est-ce que cette compétence-là, qui est la compétence de prise de recul, n'est en lien, en rien liée à la gamification, mais plutôt à une volonté d'ouverture de la part du corps professoral ou de la volonté d'éducation? Alors, Quest to Learn, sur leur site, ils ont un truc marrant, c'est que leur finalité, c'est de former des changeurs de monde, des gens qui vont changer le monde, qui sont adaptés au monde actuel, qui ont tous les outils pour se développer eux-mêmes et changer le monde, quoi. C'est le but, quoi. Et même, on voit, hein, dans leur quête, ils commencent par des petits niveaux, d'abord eux-mêmes. Ils font des graphiques sur eux, des jeux sur eux-mêmes pour voir si comment ils arrivent de mauvaise humeur à tel moment, etc. Et puis après, au local, comment ça se passe dans la ville, tel système de tri. Puis, hop, on monte jusqu'aux politiques. Plus ils sont âgés, plus ils voient large. Et donc, ouais, c'est changer le monde, quoi. Après, effectivement, ça peut tout à fait être une volonté des entreprises anglo-saxonnes de recruter ce type de profil avec, pourquoi pas, par la suite, tout ce qui peut s'enchaîner ou de dérives ou autre, enfin bref, ou des bonnes choses aussi, hein, qu'importe. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire de changer aussi, c'est pour ça que Question 1 est intéressant, parce que la gamification nous oblige au moins à nous interroger sur... Qu'est-ce qu'un élève? Qu'est-ce que l'école? Quelle est la finalité de l'école? Jusqu'ici, on nous apprend, on nous dit que l'école, c'est pour l'épanouissement intellectuel, culturel de l'élève. C'est comme ça qu'on nous le présente, hein, mais vous le savez que ça, c'est la vitrine. Parce que derrière, il faut savoir qu'un élève, c'est quoi? La racine même, c'est l'élévation. C'est celui qui s'élève, c'est celui qui s'épanouit. Et c'est ce qui est censé faire l'école. L'école, à l'origine, n'a pas pour vocation, même si c'est une conséquence, mais pas une finalité, de transformer des élèves en travailleurs. Elle doit donner des armes et des outils aux élèves pour pouvoir, par la suite, faire leur propre choix, se spécialiser s'ils le veulent ou non, etc. Et ça, c'est encore un problème. Alors là, on le retrouve un peu partout, notamment en France, beaucoup en France. C'est qu'aujourd'hui, quand je suis face à des élèves, quand on voit ce qu'on leur demande, quand on leur demande de faire des choix et des décisions, de s'autodéterminer, entre guillemets, mais ce n'est pas l'autodétermination, puisqu'en fait, c'est des rails sur lesquels ils doivent se placer, eh bien, finalement, les élèves, qu'est-ce qu'ils comprennent de l'école? C'est « je vais à l'école pour avoir un travail ». Je vais à l'école car la finalité est de faire de moi un travailleur. Sachant que les enfers, c'est le chômage. Je suis chômeur, je suis en enfer. Je suis rien. Je suis, voilà. C'est violent. Mais c'est ce qu'ils ont. Alors, comment voulez-vous susciter de l'intérêt à un élève en lui parlant de culture, d'art, de langue morte? Et si l'élève va vous répondre tout de suite, ça va me servir à quoi pour mon boulot plus tard? J'enseigne la philosophie, généralement c'est une question qui revient depuis des générations et des générations, mais qui est encore plus forte aujourd'hui, et qui vient de là. Ce sert à quoi la philo? Ou pour le dire autrement, ce sert à quoi de penser? Ah oui, après tout, s'il n'y a pas cette utilité derrière, parce que l'élève associe cette souffrance qu'il a à aller à l'école par le fait « oui, mais je dois y aller, sinon je vais être au chômage, sinon je ne vais pas avoir de travail, et je dois m'orienter maintenant, je ne sais même pas si ça va me plaire ce travail, mais on me demande de le faire, donc je vais le faire maintenant, je me mets dans cette petite case », non seulement la violence pour l'élève, et là, pour le coup, si on ne change pas cette représentation, si on ne revient pas justement à cet épanouissement intellectuel, culturel, qu'on dépasse pas cette simple vitrine, bien là, oui, la gamification va davantage servir à ça. Donc ça implique aussi un changement de société. Et là, on est encore dans la pensée systémique. Il ne s'agit pas juste de plaquer la gamification dans la société actuelle. Il s'agit d'accompagner tout l'ensemble. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu sais... Cette année, j'ai enseigné pour ma première année pour des élèves de maternelle. Et sur ce que tu disais sur le travail, c'est vrai qu'ils ont tendance à penser qu'on les forme pour travailler et pour devenir un travailleur. Et même en maternelle, c'est impressionnant. Et dans les mots qu'ils emploient, par exemple, sur les activités qu'on peut faire ou sur comment se déroule la journée, même nous, en tant qu'adultes, on a tendance à employer les mots... par exemple, au lieu de dire on va faire une activité aujourd'hui, où on va apprendre quelque chose, où on a tendance à dire, mais sans forcément vouloir le dire, genre on va travailler, cette type de notion. Et même moi, j'arrive même pas à définir ce que c'est que le travail, enfin le mot travail en soi. Et je pense qu'il y a aussi faire attention à la manière dont on emploie ces mots, ce mot-là.
parce que ça peut aussi déterminer ce qu'ils vont penser aussi de l'école et de tout ça. Après, je ne sais pas toi ce que tu en penses, peut-être quand tu enseignes la philo ou... Oui, effectivement, le travail, ça fait partie de ces mots que j'appellerais vide. Pourquoi ? Parce que le travail, vous savez, il y a la formule de Saint Augustin quand il parlait du temps, qui disait qu'est-ce que le temps ? Quand on me pose pas la question, je le sais, mais dès qu'on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. Le travail, c'est un peu pareil. Je vous dis travail, tout le monde comprend. On demande à quelqu'un de le définir. Alors là, tout d'un coup, mais est-ce que le travail, c'est l'effort ? Est-ce que le travail, c'est avoir un boulot, avoir un emploi ? Est-ce que le travail, c'est ce qu'on va apporter à la communauté, par exemple, etc. Et effectivement, il y a toute une typologie du travail, travail d'ailleurs, l'instrument de torture en latin, tripalium, il y a toute une typologie, il y a toute une représentation dans le travail que déjà en maternelle, c'est dramatique de l'entendre, que les élèves déjà constatent et qu'ils associent très souvent travail. Alors soit travail, alors je ne sais pas si c'est l'emploi pour plus tard, mais en tout cas travail, effort, éventuellement parfois souffrance, parfois on n'y est pas loin aussi, et peur de l'échec. Donc on retrouve toutes ces choses-là derrière cette notion même de travail. Alors, il y a tout un travail... Il y a tout un travail, mais là pour le coup, parce que ça va supposer justement de faire un peu violence à certaines catégories, je me rattrape, il y a tout un travail à faire justement sur cette notion de travail. Travailler n'est pas œuvrer, par exemple. Il y a un très beau mot qu'on n'utilise plus ou de moins en moins, c'est œuvre, œuvrer. On va parler d'un artiste, on va pas dire de l'artiste que c'est un produit, on va dire que c'est une œuvre, c'est pas pareil. Donc il y a toutes les catégories sur ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui va être de la motivation de la personne ou motivation extérieure, etc. Et là encore, c'est toute une reconstruction des représentations à faire. C'est pas quelque chose qui va se faire dès le départ comme ça. Et le pire, c'est que nous-mêmes, on l'a intériorisé. On peut pas se dire, c'est bon, je sais faire la distinction, etc., je suis à l'abri de ça. Non, non, on l'a intériorisé. Je le fais moi aussi, je viens de le faire. Et donc, c'est véritablement, la gamification peut permettre, en tout cas dans l'éducation aussi, de se réinterroger là-dessus, justement, par le jeu. Car là, pour le coup, on leur parle pas de travail. Et on leur donne une finalité par l'activité elle-même. Alors, je sais pas si... Ouais, du coup, il faut... Enfin, moi, personnellement, j'essaye de remplacer le mot « travail » par « œuvrer ». C'est vraiment difficile, hein, au quotidien. On faut à chaque fois se corriger, comme un tic de langage. Il faut trouver d'autres mots. Mais c'est vrai que « œuvrer », ça peut paraître orgueilleux. J'œuvre, ça fait tout de suite, je fais quelque chose d'important. Après, peut-être que si on l'emploie dès l'enfance avec des petits-enfants, pour eux, ce n'aura pas ce côté pompeux, peut-être. On peut trouver d'autres... Jouer... Oui, apprendre, ouais. Ouais. Ça m'arrive, oui, voilà. Non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen d'inscrire des gens ou de s'inscrire justement à Quest to Learn ou Alors, faut aller à New York et faut être collégien, déjà. Ok, alors, non, c'est pas un problème. Il y a des visites guidées, par contre. Hein. Ils font tous les ans des visites guidées. Donc, si vous passez à New York, ils en ont ouvert d'autres. Hein, je sais plus trop. C'est collégien, c'est ça, justement ? Collège, lycée, c'est à peu près ça. Il y en a pour les plus petits, je crois. Hein, c'est... Ah, pour les plus petits ? Il y a des... ça doit être 11 ans, 10, à partir de 10 ans jusqu'à 17 ans, à peu près. Parce que j'ai un petit frère sur qui j'ai envie de tester les méthodes d'instruction pédagogique. Donc, voilà. Mais... T'as une école anglaise en fait qui s'appelle Summer Hill où on laisse en fait les enfants faire le choix des matières qu'ils veulent faire et on leur laisse le choix de jouer. Donc ils ne sont pas obligés d'aller en cours et quand ils vont en cours, ils sont totalement en fait impliqués dans ce qu'ils vont apprendre et le professeur en fait joue avec eux sur le thème. Summer Hill. Summer comme l'été, Hill comme la colline. Et t'as un bouquin écrit par le directeur de l'école, en fait, qui s'appelle Les enfants de Summer Hill, et c'est très, très intéressant. Et en pratique, quand ils ont le choix, alors, il y a des enfants hein, qui ont joué pendant 6 mois dans la cour, mais ils étaient tout seuls, c'était pas intéressant pour eux.
Donc finalement, ils sont mis au fur et à mesure à aller, t'apprends ça quand on fait, je sais plus. Alors, ils ont des cours en plus qui se baladent dans la nature, où ils apprennent le nom des champignons, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ça leur donne un intérêt pour certaines choses. Et il y a un des élèves qui a fini chaire de je sais plus quelle matière, mais c'est des sciences humaines, où il y en a un qui est en chaire de sciences humaines dans une grande université, et il y en a un qui est en maths ou en physique, je sais plus. Comme quoi, finalement, en fait, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adaptation, c'est au contraire des élèves très très adaptés au monde, parce que justement ils ont la plasticité, donc ils ont la capacité d'adaptation ultime, en fait. Ils sont aptes à tout parce qu'ils sont curieux, et développer la curiosité, en fait, rend l'adaptation possible. Alors, dans le même genre, il y a le lycée autogéré de Paris, où là aussi il y a une forme de liberté, une forme de gestion aussi particulière. Bon, c'est encore très différent de Quest to Learn, mais c'est aussi une différence. Oui, non. Je voulais juste ajouter que on parlait d'adaptation des élèves, il y a adaptation des enseignants aussi. Ça, c'est une chose délicate, parce que il y a quelque chose, et là on le voit notamment. Alors il y a la gamification. Bon, en France c'est pas forcément ça, mais il y a, je pense par exemple aux classes inversées. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Enfin bref, où en fait le rapport enseignant-élève change, c'est-à-dire que l'enseignant n'est plus le sachant qui va s'adresser à des ignorants, qui va leur faire rentrer des connaissances dans la tête, du bourrage de crâne pour aller vite. Mais il va accompagner les élèves d'une manière ou d'une autre en organisant un cadre, etc. Donc on retrouve un petit peu cette idée-là. Mais beaucoup d'enseignants ont beaucoup de mal justement avec cette idée parce qu'ils ont peur de perdre en quelque sorte leur autorité. D'une certaine manière, arriver en tant que sachant, c'est rassurant. Ça donne l'impression de contrôler, de toute façon d'être face à des élèves, ou si jamais on perd justement la situation, il y a toujours le savoir, etc. Et là, tout d'un coup, lorsque les enseignants qui se rassurent avec les connaissances et le savoir, lorsqu'on leur dit « vous n'êtes plus des sachants », vous êtes des organisateurs, des accompagnateurs, les élèves n'ont pas à s'adapter à votre pédagogie, vous avez à vous adapter à leurs besoins, et à ce qu'ils sont, tout simplement, à leur singularité, ce qui est déjà très difficile quand on se retrouve avec des classes de 35 élèves. Là, déjà, c'est impossible. Donc déjà, vous voyez que c'est, voilà, il y a tout ça à changer. Eh bien, ça pose un problème de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la gamification, on a vu dans Quest to Learn la transformation, les élèves, etc., mais les enseignants, les professeurs aussi. Et pour certains enseignants, c'est véritablement une souffrance de perdre cette étiquette de sachant. C'est vraiment très difficile. Oui, bonjour. J'aurais une petite question par rapport au fait de certaines écoles, justement, qui laissent aux élèves le choix des matières, enfin, le choix des activités qu'ils vont faire, parce que ce n'est pas forcément des matières, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, si justement. C'était par exemple pour tout ce qui est famille défavorisée, qui, par exemple, dans leur entourage, n'ont pas forcément d'exemple, ou par exemple, imaginons, je suis issu d'une famille pauvre, je n'ai pas de gens qui ont fait des études autour de moi ou qui ont des métiers, entre guillemets, valorisants, parce qu'il n'y en a pas vraiment, des métiers valorisants, tous les métiers sont valables. Comment les sortir de leur déterminisme, dans le sens où ils n'auront comme exemple que ces métiers-là, donc, ou ces activités-là plutôt que métiers. C'est-à-dire que je vais peut-être me lancer dans la biologie parce que j'aime bien, enfin dans les matières type biologie parce que j'aime bien être dans la nature, faire ça, parce que mon père est bûcheron, alors que ça se trouve j'aurais adoré les maths, mais comme on m'oblige pas à en faire, je sais pas. Alors que par exemple le système actuel n'est absolument pas parfait, mais le fait qu'on nous force entre guillemets à faire un certain nombre de matières fait qu'on peut se découvrir une passion pour telle ou telle matière, sur la physique, sur, je sais pas, le sport, sur... Je me demandais à quel moment, en fait, ce nouveau système est intéressant. Parce qu'il est effectivement très intéressant, le fait de laisser l'enfant s'épanouir. Mais à quel âge, à quel moment on peut se dire il aura la maturité de pouvoir... Voilà. Ma question est peut-être un peu longue, excusez-moi. Alors, sur la liberté de choix, il y a une chose toute bête, le test.
On fait tester aux élèves toutes les matières, ils testent par eux-mêmes pour voir même plusieurs fois, et puis après ils arrêtent si ça passe pas bien, tout simplement. Après Quest to Learn, je sais qu'ils font de tout, et après ils se spécialisent eux-mêmes vers ce qu'ils veulent, quoi. Par exemple, il y a à la fin de semestre, il y a un niveau de boss. C'est un gros défi. Et là, toutes les compétences sont bonnes. Par exemple, c'était quoi ? Composer une musique. Donc, il fallait des gens qui s'y connaissent en maths, qui savent faire de la musique. Il y avait de tous les contrats. Et là, tout le monde se reliait là-dessus, complètement libre dans ce qu'il y avait à faire. Il y avait juste des spécialistes. Il y avait un DJ qui leur apprenait l'ordinateur, le mix, tout ça, quoi. Donc, voilà. Il y a beaucoup cette partie, oui, test, tripatouillage, et ça passe. Et pour Quest to Learn et pour la gamification, en tout cas dans l'éducation, il y a un cadre. C'est-à-dire, on laisse pas. Les élèves ont une liberté dans un cadre et on suscite justement cette découverte. Donc, ils ont justement cette proposition. Et en même temps, à l'intérieur, ils ont cette liberté, justement. Donc, il ne s'agit pas juste de les laisser en liberté. Il y a toujours ce cadre-là. Un peu. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo, par exemple. Si je vous demande, est-ce que vous êtes libre dans un jeu vidéo, par exemple, un jeu en monde ouvert ? Là, si je vous pose la question, c'est très délicat. Parce que d'un côté, vous êtes libre, mais vous êtes libre dans un cadre que vous n'avez pas décidé. Mais ce cadre vous permet tout de même de faire des actions que vous n'auriez pas pu si le cadre n'avait pas été là. Donc vous voyez l'idée ? C'est un peu ça, justement, ce processus de gamification. Et autre chose encore, lorsqu'il y a cette possibilité-là de choisir pour les élèves, de toute façon, vont expérimenter et vont tester par eux-mêmes. Quand vous jouez à des jeux vidéo, vous jouez à des RPG, vous devez construire des avatars. Je suis sûr que si vous recommencez un RPG à plusieurs reprises, vous allez vouloir tester de nouveaux avatars, de nouvelles compétences, etc., de nouveaux jobs. Donc, on voit... Il y a cet intérêt de la découverte et qui est suscité par ce cadre, pour le coup. Ce serait pour ça qu'on les fait commencer très jeunes, c'est justement pour avoir qu'ils aient encore cette notion d'envie d'essayer autre chose. Bah, la question finalement qu'il faut se poser, c'est à partir de quel âge on joue. C'est vrai. C'est à partir de là qu'on peut justement avoir on peut être très formaté, effectivement, arriver à un certain âge et voilà. Finalement travailler pour... Voilà. Là, on et arrive sur jeu. La notion de travail et non plus à la notion de jeu, effectivement. C'est ça. Merci pour ces explications. On va s'arrêter là, parce que j'ai vu qu'il fallait qu'on s'arrête. Oups, 0 minutes. Bah, je vous remercie, en tout cas. Merci beaucoup.